Alors, pour comprendre le rapport des Grecs anciens à la rumeur, et de façon plus générale à l'opinion, le mieux est sans doute de partir d'une rumeur type, caractéristique de l'ensemble des bruits publics qui ont pu courir dans le monde grec ancien depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 2e siècle avant Jésus-Christ. Pour faire plus simple, depuis Homère, si vous voulez, jusqu'à la conquête romaine. Dans l'ensemble des sources littéraires grecques anciennes, le récit de l'enquête d'Hérodote, consacré à la fausse rumeur lancée par le tyran Pisistrate et à la sotte naïveté que les Athéniens démontrent face à elle, constitue, à mon avis, un des meilleurs cas historiques pour aborder notre question. Pour en comprendre les enjeux, il faut d'abord la replacer dans son contexte archaïque athénien du VIe siècle avant Jésus-Christ. Après les réformes de Solon, la cité athénienne sombre dans une courte période d'anarchie, et c'est à cette occasion que Pisistrate tente de s'emparer de la tyrannie. Il doit s'y reprendre à trois reprises, selon Hérodote. La rumeur lancée à l'occasion de sa deuxième prise de pouvoir vers 555-500 avant Jésus-Christ est ainsi rapportée par Hérodote. Alors, c'est le premier texte de votre exemplier, je vais vous le lire, et après on essaiera d'en parler. Alors, Pisistrate et Mégaclès imaginèrent pour le retour de l'exilé un expédient que je trouve le plus naïf du monde, étant donné que le peuple hellénique s'était dès longtemps distingué des barbares en se montrant plus fin, plus dégagé d'une sotte naïveté. Si véritablement ils ont, à cette époque, chez les Athéniens, réputés les premiers des Grecs pour leur esprit, imaginé pareille chose. Dans l'Œdème de Paeanie, il y avait une femme nommée Phiée, d'une taille de 4 coudées moins 3 doigts, et d'ailleurs belle personne. Ils revêtirent cette femme d'un armement complet, la firent monter sur un char, lui enseignèrent l'attitude dans laquelle elle devait faire le plus noble effet, et la menèrent à la ville. Ils avaient envoyé devant, en éclaireur, des héros qui arrivaient à la ville, y proclamaient ce qu'on leur avait ordonné, disant « Athéniens, recevez favorablement Pisistrate. Athéna, qui a voulu l'honorer entre tous les hommes, le ramène elle-même dans sa propre acropole. » Allant ça et là, il tenait ses propos. Aussitôt le bruit, en grec fatis, se répandit dans l'Édème qu'Athéna ramenait Pisistrate et les habitants de la ville, persuadés que la femme était la déesse en personne, adorèrent cette créature et accueillirent Pisistrate. La sotte naïveté que les Athéniens démontrent à cette occasion a longtemps désarçonné les lecteurs d'Hérodote. Elle a d'abord interrogé les historiens contemporains qui n'ont pas réussi à véritablement établir un consensus historiographique pour élucider cette anecdote. Et jusqu'à présent, au XXe siècle, ils ont proposé à peu près trois types d'analyses, trois types d'interprétations. La première est d'ordre symbolique, comme Louis Gernet, par exemple, qui y voit dans l'anecdote le mariage d'un roi avec la déesse Polyade d'Athènes. Un autre type d'interprétation héroïque, cette fois-ci, fait de Pisistrate un nouvel Héraclès qui serait capable d'instaurer un nouvel ordre civique olympien, ou un nouvel Ulysse qui, roi, après avoir erré longtemps hors de son royaume, reviendrait pour prendre le pouvoir. Ou un dernier type d'analyse encore, cette fois-ci plus politique, qui fait de Pisistrate un expert en propagande, qui est capable notamment de s'inspirer des débuts de la tragédie au VIe siècle avant Jésus-Christ pour jouer le rôle du roi et, dans une perspective finalement un peu aristotélicienne, d'imiter le roi pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Alors, plus intéressant pour nous, dans le cadre de notre colloque, l'épisode déclenche de vives polémiques parmi les anciens. Alors, outre les nombreuses réécritures que l'épisode a connues tout au long de l'histoire de la littérature grecque ancienne, on remarquera plus précisément que, dès l'époque de composition de l'enquête d'Hérodote, c'est-à-dire dans les années 430-420 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 130 ans à peu près après l'anecdote, eh bien, une version concurrente de l'épisode a largement été diffusée à Athènes, parce qu'on ne pouvait pas supporter l'idée, chez les Athéniens, d'être plus bêtes que les barbares. C'est ce que dit Hérodote, que finalement, lui, il dit que eh bien, les Athéniens auraient manqué à cette occasion de finesse par rapport à des barbares. Alors, la polémique soulevée chez les anciens par la fausse rumeur de Pisistrate s'explique notamment parce qu'elle porte un coup à l'identité que les Athéniens ont à l'époque classique. Effectivement, l'anecdote a tendance à remettre en question leur relation privilégiée qu'ils se flattent d'entretenir parmi tous les Grecs avec la rumeur. C'est d'ailleurs même une des seules cités du monde grec dans lesquelles on trouve, au cœur de l'agora, un hôtel à Phémée, c'est-à-dire à la rumeur personnifiée. On pourrait remarquer également que dans l'Athènes classique, eh bien, c'est d'abord l'oralité qui prime sur l'écrit et qu'on est ce que l'on dit de soi. Et à cet égard-là, l'ensemble des termes
qui désigne la rumeur chez les Grecs, une bonne dizaine de termes, c'est-à-dire si elle est assez différente de la nôtre, parce que vous avez un très grand nombre de termes pour désigner le phénomène de rumeur, eh bien, ont tous cette caractéristique, c'est qu'ils désignent à la fois rumeur et renommée. C'est-à-dire en Grèce, on est ce que l'on dit de soi. Alors, deuxième raison pour considérer que l'anecdote met en difficulté l'identité athénienne, c'est qu'elle, justement, s'en prend à leur intelligence. Et il faut bien remarquer qu'au Ve siècle, les Athéniens pensent être les plus malins de tous les Grecs. Alors, ils ont pour eux plein d'exemples, Thémistocle et sa ruse à Salamine, par exemple. Ils ont pour eux aussi toute la cohorte d'intellectuels très brillants du Ve siècle, les tragiques, Eschyle, Sophocle, Euripide, les philosophes, évidemment, comme Platon. Ils ont pour eux également l'oraison funèbre de Périclès, telle qu'elle a été rapportée dans l'enquête, dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide, dans laquelle eh bien, il est précisé que la philosophia est une activité propre aux citoyens athéniens. Le problème, c'est que cette intelligence, à la fin du Ve siècle, à Athènes, elle est durement battue en brèche. C'est-à-dire que, alors qu'ils se prétendent les plus intelligents de tous les Grecs, ils commencent à avoir des difficultés dans les années 420 face à leurs ennemis spartiates, qui sont, eux, à l'inverse, réputés pour être les plus bêtes des Grecs, ce qui pose problème qu'on se prétend plus intelligent. Et un autre problème, c'est que leur démocratie commence, à peu près dans les mêmes décennies, eh bien, à se radicaliser et à devenir la démocratie des démagogues ou de l'opinion de la foule, ce qui met, là aussi, encore à mal leur prétendue intelligence. Alors, le détail du récit d'Hérodote, comme la violente polémique suscitée par l'épisode dans le monde grec, constitue, à mon avis, un angle d'attaque de premier choix pour pénétrer dans le monde des rumeurs anciennes, pour en comprendre notamment les thématiques, pour en comprendre également les logiques de diffusion, de reproduction, pour comprendre également leur régime de vérité, les débats qu'elles ont pu susciter et l'utilisation intellectuelle qu'on a pu en faire. Alors, l'épisode, que l'on va soumettre à trois niveaux de lecture, eh bien, montre combien le phénomène de la rumeur en Grèce ancienne a partie liée au vraisemblable. Alors, chez les Grecs, le vraisemblable, c'est leikos. En version française, c'est E-I-K-O-S. C'est une notion clé au Ve siècle, à mon avis. Et soumis à ces trois niveaux de lecture, on va pouvoir essayer de replonger dans le contexte archaïque pour montrer que la réaction des Athéniens se comprend parce qu'elle permet de comprendre comment Pisistrate a agi en maître de vraisemblable pour passer pour un maître de vérité et occuper de cette façon-là bien, une place de choix parmi les colporteurs de rumeurs. Deuxième contextualisation, on va essayer d'envisager cette anecdote dans son contexte de production littéraire, c'est-à-dire au Ve siècle, avant Jésus-Christ, et essayer de cette façon de pénétrer dans le débat que les Athéniens de l'époque classique pouvaient avoir, notamment au sujet de la véracité des traditions orales. Et troisième mise en contexte, cette fois-ci à l'échelle de l'œuvre d'Hérodote, et voire même à l'échelle de l'œuvre d'Hérodote en conflit avec son principal concurrent historien de l'époque, en l'occurrence Thucydide, pour montrer que eh bien, cette anecdote elle a d'abord une dimension symbolique vraisemblable, où finalement ce qui compte, ce n'est pas tant pour Hérodote la vérité factuelle de l'épisode qui compte, mais sa dimension morale. Alors on va aborder le premier temps de l'étude, donc la recontextualisation dans le contexte archaïque, et dans cette première partie, j'ai un double objectif. Le premier est de montrer que finalement, si les Athéniens croient ou sont persuadés par la rumeur de Pisistrate, c'est qu'elle a, elle est vraisemblable, elle a une vraisemblance archaïque, ce qui permet eh bien, à Pisistrate de se ranger du côté du monde épique et du côté des maîtres de vérité de l'époque archaïque. Et le deuxième objectif de ce premier angle d'attaque est de montrer que l'épisode est typique, à mon avis, par ses structures thématiques, de l'histoire palimpseste du phénomène rumoral en Grèce ancienne. Pour faire simple, comme la plupart des rumeurs grecques anciennes, eh bien, cette anecdote utilise une trame homérique pour lire l'actualité politique et en écrire l'histoire. Alors, premier objectif, c'est de montrer que Hérodote range la rumeur de Pisistrate dans le monde épique en plaçant le stratagème du tyran athénien dans la droite lignée des stratagèmes ou des ruses d'Ulysse de l'Odyssée. Effectivement, alors qu'Ulysse, dans l'Odyssée, lance, grâce à une mise en scène dans son manoir, la fausse rumeur des noces de Pénélope pour retarder la propagation du bruit annonçant le massacre des prétendants et ainsi lui permettre de reprendre le contrôle de son royaume d'Ithaque, eh bien, Pisistrate monte également un stratagème, une mise en scène, pour s'emparer du pouvoir à Athènes. Comme Ulysse également dans l'Odyssée, Pisistrate se montre un fin observateur, un lucide observateur de la situation politique athénienne et va utiliser sa connaissance des hommes pour s'imposer à leur tête, grâce à un bruit mensonger.
Alors, comme Ulysse, eh bien, Pisistrate se montre ici en maître du vraisemblable. Il lance un bruit mensonger qui est nourri aux sources de son propre savoir et soutenu par des garants qu'il a lui-même créés. Il ne convainc pas en proclamant une vérité ici. Il persuade, au contraire, avec une fausse rumeur qui est semblable au vrai, une rumeur vraisemblable. En agissant ainsi, il cherche à passer pour un maître de vérité archaïque. Alors là, je reprends une notion de Marcel d'Étienne, que vous devez connaître sans doute, avec son bel ouvrage sur le maître de vérité, dans lequel il considère eh bien, qu'à l'époque archaïque, les maîtres de vérité sont les aèdes, les devins, les rois de justice, qui bénéficient, eux, à la différence de tous les autres mortels, eh bien, d'un soutien divin, d'une inspiration divine qui leur permet de mieux savoir que les autres et, à ce titre, d'être capable, à la différence des autres, de lancer des rumeurs véritables. Vrai. Alors, pour ranger Pisistrate parmi les maîtres de vérité, Hérodote nomme la rumeur lancée par le tyran du terme fatis. Alors, je ne vais pas évidemment rentrer dans les détails, parce que c'est un peu compliqué, mais il faut juste rappeler que fatis, au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est un terme qui est surtout utilisé pour désigner les bruits publics annonçant qu'un mortel a reçu ou a perdu eh bien, un soutien divin. Alors, parmi de nombreux exemples, on pourrait retenir le cas de la fatis de Cyrus, qui est rapportée par Hérodote. Cyrus fait courir une rumeur selon laquelle il a été élevé par une chienne afin de se ranger du côté des héros et ainsi de convaincre les Perses qu'il a toute légitimité eh bien, à devenir leur roi. La rumeur décrite par Hérodote permet encore à Pisistrate de s'inscrire dans la glorieuse lignée des rois et des législateurs mythiques athéniens. Comme Pisistrate sous Tumar Athéna, des rumeurs à l'époque archaïque des Cléas, ont assuré que le roi d'Athènes, Thésée, était un protégé de Poséidon, le protégé de Poséidon. Comme Pisistrate également, soutenu par Athéna, Solon, le législateur plus ou moins mythique, a fait courir des rumeurs selon lesquelles il bénéficiait du soutien divin pour contourner les lois de sa cité et convaincre ses concitoyens eh bien, de reprendre, par exemple, la guerre contre les Mégariens au sujet de Salamine. On notera d'ailleurs qu'arrivé au pouvoir, eh bien, Pisistrate cherche à imiter les rois archaïques. Il se fait dispensateur de justice et de richesse. Pisistrate met en réalité en place un régime qui fait sien, qui s'évertue à faire sien, les traits les plus séduisants de la royauté mythique. Hérodote montre également que Pisistrate est l'objet de bruits assurant qu'il est soutenu par un dieu et se comporte à ses égards bien, comme les sages de la fin du 6e siècle et du 5e siècle avant Jésus-Christ. Pour faire très simple, on pourra remarquer que les sages comme Pythagore, Démocrite, Anaxagore, Empédocle, eh bien, étaient tous la cible de rumeurs qui les désignaient comme les protégés des dieux. Je pense que pour conclure cette première partie de mon analyse, on a deux apports à tirer en conclusion, deux enseignements à tirer en conclusion. La première, c'est que la rumeur de Pisistrate trompe les Athéniens car il joue en maître de vraisemblable. Car en maître du vraisemblable, il agit en maître de vérité et il occupe à cet égard bien, le premier poste parmi tous les colporteurs de rumeurs. Et il pourrait d'ailleurs, comme les aèdes, inspirés par les dieux, eh bien, diffuser des rumeurs plus séduisantes que celles de ses contemporains, de simples mortels. Juste d'ailleurs une parenthèse, vous savez que les aèdes, quand ils chantent l'Iliade et l'Odyssée, en fait ils chantent des cléas. Cléos, si vous voulez, au pluriel, ce qui en réalité sont à la fois des rumeurs et des renommées. C'est-à-dire que l'Iliade et l'Odyssée, dans une conception un peu large, si vous voulez, ce n'est qu'une grande ou que plusieurs rumeurs comme ça chantées par l'aède. D'ailleurs, en agissant ainsi, Pisistrate cherche probablement à jouer à l'aède en écrivant sa propre renommée, si vous voulez, qui pourrait être amenée à être chantée plus tard. Alors, le deuxième enseignement à tirer, c'est que pour ancrer Pisistrate dans le monde archaïque et épique, Hérodote va profiler sa rumeur sur le modèle des bruits des temps épiques et reprendre ici, précisément, une attitude solidement ancrée chez les auteurs anciens. L'idée, pour moi, en tout cas, c'était l'objet de ma thèse, c'était de montrer que l'histoire des bruits publics en Grèce ancienne était une histoire palimpseste, dont la matrice, ou le premier manuscrit, était l'épopée homérique, qui allait, tout au long de la littérature grecque ancienne, inspirer les thématiques des rumeurs, guider la lecture des événements, et conditionner même leur réalisation historique. Alors, sans évidemment rentrer dans un trop grand détail, mais on pourrait rappeler que l'œuvre d'Homère va proposer plusieurs personnages, comme Agamemnon, Achille, Ulysse, dont la geste servira de patron aux rumeurs décrites dans la littérature postérieure.
C'est-à-dire que, par exemple, pour avoir une belle renommée guerrière, eh bien, on va être comparé à Achille. Et pour Ulysse, eh bien, on va avoir là, pour le coup, un modèle plus complexe, parce qu'il va être à la fois modèle ou contre-modèle de la parole rusée. On pourrait rappeler, par exemple, que Socrate a pu être comparé à Ulysse parce qu'il était capable, grâce à son intelligence et à sa ruse, eh bien, de retourner son adversaire. Et à l'inverse, on pourra aussi rappeler que Ulysse était pris comme patron des démagogues, justement, parce qu'il était capable eh bien, de tromper tromper les Athéniens par sa ruse. Ainsi profilé sur un modèle épique, pour endosser le rôle de maître de vérité, la rumeur de Pisistrate a de quoi susciter la polémique au 5e siècle avant Jésus-Christ, parce que précisément les garants qu'elle utilise, les deux garants qu'elle utilise, l'inspiration divine et la voix du peuple, eh bien, sont objet de débats très critiques au 5e siècle avant Jésus-Christ. Là, j'entre dans ma deuxième partie, consacrée justement eh bien, à la contextualisation de l'anecdote au 5e siècle avant Jésus-Christ. La première idée de cette deuxième partie s'interroge bien sûr l'inspiration divine qui porte la légitimité de la rumeur de Pisistrate. Pour faire très simple, l'idée c'est que Pisistrate, en passant pour un maître de vérité, protégé par Athéna, entend occuper le sommet de la hiérarchie des colporteurs de rumeurs, ceux qui bénéficient précisément de l'inspiration divine pour pouvoir convaincre leurs contemporains de la vérité de leurs propos. Et, comme on l'a dit tout à l'heure, il se range pour le coup du côté des aèdes ou des rois de justice. Dans la hiérarchie des colporteurs de rumeurs, on a un deuxième étage occupé par ceux qui sont en contact plus éphémère, si vous voulez, ou plus douteux avec le divin. C'est le cas, par exemple, des devins. Alors, eux aussi se prétendent en contact avec les dieux, mais en fait, le problème, c'est qu'on les croit rarement, parce qu'ils veulent de l'argent. On pourrait également rappeler que vous avez bon nombre de rumeurs dans le monde grec ancien qui sont lancées par les gens qui ont été inspirés par le songe, parce que c'est au cours de la nuit bien, que les dieux les visitent et qu'ils peuvent, comme ça, être en contact avec le monde divin et savoir davantage que leurs contemporains. Un exemple parmi tant d'autres, on pourrait rappeler par exemple que Démosthène, en 336 avant Jésus-Christ, eh bien, va se dire visité par songe pour annoncer, par le biais d'une rumeur, à ses contemporains athéniens, la mort de Philippe de Macédoine. Avant-dernier étage dans ma hiérarchie des colporteurs de rumeurs, on pourrait placer ceux qui ne bénéficient pas de l'inspiration divine, mais qui vont avoir pour eux le garant du témoignage oculaire. Et leur rumeur va être plus ou moins crue en fonction de leur propre vertu. C'est-à-dire qu'on va davantage croire les braves qui reviennent du combat que les lâches qui ont fui, par exemple. Dernier étage, et le pire sans doute évidemment pour les colporteurs de rumeurs en Grèce ancienne, c'est l'étage le plus bas dans lequel on range tous les rebuts de la société, si vous voulez, athénienne par exemple. Ça va être les esclaves, les artisans, les métèques, les femmes, les enfants, à qui on prête un caractère trop faible pour ne pas se laisser abuser par des bruits mensongers. Alors, le problème avec ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, c'est que cette hiérarchie des colporteurs de rumeurs, elle va être très probablement remise en question au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est le fait, un, de la révolution sophistique qui se montre très critique à l'égard de ce qu'on dit. C'est le fait également du développement de la démocratie athénienne, où à l'Assemblée, on débat ensemble, on critique ensemble ce qu'on dit. Et la conclusion de tout ça, c'est que la vérité archaïque qui était auparavant verticale, qui descendait des dieux jusqu'aux hommes, elle est de plus en plus contestée par une autre vérité qui émerge, qui est davantage horizontale et qui se construit dans le partage avec l'autre. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles eh bien, cette anecdote a pu faire polémique. Elle a d'autant plus fait polémique que le deuxième garant que Pisistrate utilise, c'est la voix du peuple. D'accord ? C'est-à-dire que si ça marche, enfin, si la rumeur de Pisistrate fonctionne aussi bien, c'est qu'elle est très rapidement reprise par tous les Athéniens. Et là encore, on arrive à une question complexe dans la société athénienne, c'est quel crédit accorder à la voix du peuple ? Alors, pour certains Athéniens, eh bien, il faut accorder un grand crédit à la voix du peuple parce que Phémé, la rumeur, elle est considérée depuis Hésiode comme une divinité. D'accord ? Et d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, elle reçoit même un culte dans l'agora athénienne, sur l'agora athénienne. On pourrait également, avec Benveniste, eh bien, rappeler que les termes dérivés de Phémi ou de Phémé eh bien, désignent une parole mystérieuse dépersonnalisée. Et ça, ça compte beaucoup pour certains intellectuels grecs, parce que ça la distingue eh bien, de la calomnie qui est, elle, toujours subjective, partisane, individuelle. Et vous allez avoir,
dans le monde classique, eh bien, des intellectuels comme Échine et surtout Isocrate, qui vont considérer que les rumeurs sont des sources fiables d'informations, parce que précisément, elles ne sont à personne. Elles sont dépersonnalisées, elles sont colportées par tous, elles sont anonymes, et c'est la raison pour laquelle, pour Isocrate par exemple, il est préférable d'écouter eh bien, ce que l'on dit plutôt que de voir ce à quoi on assiste. C'est plus sûr pour lui. Et peut-être plus intéressant pour vous encore, on pourrait remarquer que pour Aristote aussi, le on dit, la rumeur, le proverbe, la maxime, elle aussi, elle a un rôle à jouer dans la construction de la vérité. C'est-à-dire que pour Aristote, eh bien, les opinions des autres, les endoxa, les opinions valables, ont aussi un intérêt. Elles portent une part de vérité. Alors après, leur vérité comporte un degré, si vous voulez, elles n'ont pas toutes le même degré de vérité, mais à Aristote et à ses élèves, eh bien, de collecter les endoxa, de les critiquer, les comparer les unes aux autres, de les hiérarchiser et ainsi de marcher sur le chemin de la vérité. D'ailleurs, juste une parenthèse, vous savez que la constitution des Athéniens, qui écrit en partie l'histoire de Pisistrate, est le fruit justement de ce recueil d'endoxa. Le problème de ce genre de parti pris, c'est-à-dire qu'on considère que la rumeur est juste parce qu'elle est dite par tous, c'est qu'elle va être aussi, ce garant de la voix populaire, va être lui aussi remis en question au Ve siècle avant Jésus-Christ. Ça va être le cas des sophistes, ça va être le cas également des personnes très critiques à l'égard de la démocratie athénienne qui se méfient justement d'un régime qui devient l'opinion de la foule. Et là, je vous renvoie aux critiques de Platon contre la démocratie athénienne. Et ça va être le cas également de nouveaux intellectuels comme Hérodote, comme Hécatée de Milet avant Hérodote, qui vont eh bien, mettre en place une méthode critique pour Hérodote qu'on appelle l'historia, qui, à la différence des aèdes, qui eux, restés sur place et inspirés par Dieu, savaient ce qui se passait ailleurs, eh bien, avec l'historia d'Hérodote, il va falloir, pour Hérodote, se déplacer, aller entendre les hommes, aller trouver eh bien, les différentes sources des rumeurs pour pouvoir justement juger leur véracité. Dernière chose, concurrent d'Hérodote, rival d'Hérodote, ça compte, c'est que vous avez Thucydide qui, lui aussi, va s'engager dans une démarche critique à l'égard des rumeurs, va disqualifier les rumeurs des poètes parce qu'il considère qu'elles sont embellies pour faire plaisir et pour charmer le public, va disqualifier évidemment l'œuvre de son rival Hérodote en disant que lui aussi succombe au charme des rumeurs. Il va le faire notamment avec sa méthode, vous savez, de l'acribie, une méthode critique. Il va le faire également avec sa méthode de l'autopsie, c'est-à-dire que lui, il veut aller voir sur place pour essayer de juger de la véracité des rumeurs qu'il entend. Alors, en conclusion de cette deuxième partie, on pourrait rappeler que si les bruits publics conduisent, les rumeurs conduisent les hommes sur le chemin de la connaissance, ils mènent surtout ceux qui savent les manier sur le chemin de l'autorité. Et ça, ça compte beaucoup chez les Grecs, parce qu'en réalité, les rumeurs, dans la littérature grecque ancienne, elles sont utilisées comme une arme de légitimation de son propre discours et de dévalorisation du discours adverse. C'est-à-dire que, pour faire simple, celui qui croit à une rumeur idiote est un crétin. Les rumeurs que l'on lance soi-même sont toujours profondes, intelligentes, et bien plus que les rumeurs de ses adversaires. Alors, je vous le rappelle ici parce qu'il est assez probable que l'anecdote rapportée par Hésistrate, par Hérodote sur Pisistrate, eh bien, participe de cette volonté de dire du mal de ses adversaires, si vous voulez, de montrer que ce qu'Hérodote imagine est meilleur que ce que les autres pensent. Alors, c'est la dernière partie de mon introduction, enfin de mon intervention. Pas introduction, rassurez-vous, on a pratiquement fini et je vais respecter le temps, bien entendu. L'idée pour Hérodote, c'est qu'il est assez probable que la rumeur qu'il rapporte a été lui-même, a elle-même refaçonnée par Hérodote. C'est-à-dire que ce qui intéresse Hérodote, c'est pas tant de dire le vrai d'un point de vue factuel que de dire le vrai d'un point de vue moral. Et pour faire simple, il est assez probable que Pisistrate, il n'ait jamais fait ça. Mais ce n'est pas ce qui compte pour Hérodote. Ce qui compte, c'est le message moral qu'il entend eh bien, diffuser avec cette anecdote. Alors là, j'aborde mon troisième point de l'intervention. Il y a un point qui vise à contextualiser la rumeur de Pisistrate dans son contexte de production strictement littéraire, c'est-à-dire dans l'enquête d'Hérodote et dans le lien qu'elle peut entretenir avec son rival, c'est-à-dire la guerre du Péloponnèse de Thucydide. J'ai essayé de démontrer, alors, pendant mes années de recherche, qu'en réalité, ce qui compte
pour l'anecdote de Pisistrate, ne vaut pas sur le plan factuel, mais vaut sur le plan moral. Et on peut s'en apercevoir quand on replace l'anecdote dans un jeu savant d'éco-intellectuel. C'est-à-dire que l'enquête d'Hérodote, elle fonctionne comme une œuvre annulaire, on dirait une grille compositionnelle. C'est-à-dire que les épisodes valent, en fait, en étant replacés les uns en fonction des autres. Et à ce titre-là, je pense qu'on peut trouver, pour donner une explication à cette anecdote, eh bien, deux mises en parallèle. D'abord, une à l'intérieur de l'œuvre d'Hérodote, où les trois prises de pouvoir de Pisistrate en fait, font écho aux trois premières étapes, selon Hérodote, de la première guerre médique. Et de la même façon, si on est un lecteur attentif de Thucydide, eh bien, l'anecdote des trois prises de pouvoir d'Hérodote fait elle aussi écho, avec ses trois temps, aux trois temps du début de la construction de l'empire tyran athénien au Ve siècle, tel qu'il est rapporté chez Thucydide. Pour faire simple, c'est-à-dire qu'il est assez probable que Hérodote évolue ici avec une anecdote complètement reconstruite, sur le plan du vraisemblable, eh bien, inviter à la réflexion ses lecteurs et inviter également ses lecteurs à l'action politique. Je donne une réponse simple, si vous voulez, à ce problème. L'idée, c'est que pour moi, l'anecdote d'Hérodote, de Pisistrate, elle a d'abord comme ambition de faire penser ce qu'est la démocratie athénienne. Pour faire très simple, l'idée pour Hérodote, ça serait de montrer que les Athéniens se montrent naïfs, idiots, quand ils sont sous un régime tyrannique, et que leur puissance va s'affirmer par étapes, progressivement, quand ils vont connaître la démocratie, l'intelligence, le débat, etc. Alors ça, c'est très valorisant pour les Athéniens, parce qu'ils sont en démocratie. Le problème, c'est qu'il y a toujours beaucoup de finesse intellectuelle et parfois un peu de malice, et c'est aussi un message à double tranchant, puisque avec l'opposition, avec la mise en parallèle avec la guerre médique et puis le début de l'empire tyran athénien, c'est aussi un avertissement lancé aux Athéniens, avec l'idée de se dire, voilà, eh bien, si vous ne faites pas gaffe, si vous ne vous prenez pas attention, pardon, c'est la fin de l'exposé pour ça, eh bien, vous risqueriez de connaître le même sort que les Perses, c'est-à-dire que vous risqueriez, eh bien, de partir dans une conquête impérialiste qui est motivée par l'hubris et finalement, pendant votre guerre du Péloponnèse, vous risqueriez de connaître le même sort que les Perses, au VIe siècle avant Jésus. Alors, dernière idée, cette utilisation du vraisemblable pour donner une vérité morale plus qu'une vérité factuelle, c'est une habitude très propre aux historiens grecs qui vont utiliser la rumeur pour faire l'histoire, et on va la retrouver eh bien, dans l'enquête d'Hérodote, évidemment, mais aussi chez Xénophon, voire même aussi chez Thucydide, parce que autant il se montre critique à l'égard des bruits, autant, et c'est le dernier texte que je vous ai donné dans l'exemplier, il entend non pas reconstruire le passé selon ce qui s'est réellement passé, mais selon ce qu'il imagine, lui, s'être passé. Et ça, ça change considérablement les choses, parce que dans cette optique-là, on est très loin de la vérité scientifique telle que les historiens positivistes du XIXe siècle ont pu l'imaginer. C'est-à-dire que ce qui compte pour Thucydide, ce qui compte pour Hérodote, ce n'est pas tant de rapporter vraiment ce qui s'est passé, mais de rapporter ce qui s'est passé selon eux pour donner un message moral, et non pas pour livrer une histoire simple dans laquelle il suffirait de lire l'enquête d'Hérodote ou la guerre du Péloponnèse de Thucydide pour comprendre ce qui s'est réellement passé au Ve siècle, au VIe siècle avant Jésus. Et à cet égard-là, alors, il y a évidemment les historiens qui utilisent ce vraisemblable, mais pour vous, vous avez aussi les philosophes qui le font. Et chez Platon, par exemple, l'expert en rhétorique psychagogique qu'on trouve dans le Phèdre, eh bien, utilise lui aussi le vraisemblable pour pouvoir eh bien, convaincre son public. On pourrait, pour faire très rapide, rappeler que les données historiques chez Platon, en fait, elles sont plus vraisemblables que vraies. C'est-à-dire que le Gorgias, par exemple, eh bien, considère que le Ve siècle athénien, c'est une période dans laquelle on a le droit d'aller à droite, à gauche, mélanger les dirigeants athéniens sans prendre garde à la réalité historique. De la même façon, dans les lois, l'archéologie, la période dans laquelle enfin, le récit de Platon dans les lois qui retrace l'histoire archaïque athénienne est obéi à la même logique. Ce n'est pas une logique de vérité factuelle, mais c'est une logique morale. C'est-à-dire qu'on retrace l'histoire, finalement, pour convaincre et livrer une vérité morale. Alors, en conclusion, cette fois-ci, la vraie conclusion. Je pense qu'on peut tirer deux enseignements de cette intervention. Le premier, c'est que c'est une chimère d'imaginer qu'on peut retrouver les rumeurs grecques anciennes. Pour moi, elles ne sont que réécritures de choses qui se sont sans doute produites, mais qui doivent obéir d'abord à une logique palimpseste. C'est-à-dire qu'on est là pour faire un peu comme ce qu'il y avait auparavant. On est là aussi
dans une logique de l'écart, parce que en fait, les textes grecs, à mon avis, se comprennent en étant replacés les uns en fonction des autres. Et la rumeur de Pisistrate, elle vaut notamment parce qu'elle rappelle Hérodote, mais aussi parce qu'elle rappelle Thucydide. Et en fait, tout ça, c'est qu'une reconstruction intellectuelle. Et le dernier élément, c'est que s'il fallait faire un lien entre les infox vraisemblables, dont on parlait tout à l'heure, et les rumeurs vraisemblables chez les Grecs, c'est qu'elles ont toutes, évidemment, cette dimension vraisemblable, elles ne veulent pas forcément dire le vrai, mais à la différence des infox de Donald Trump, par exemple, je pense que les Grecs avaient comme intention non pas de tromper leur adversaire, mais au contraire, de le faire méditer, d'inviter à la méditation leur lecteur. J'espère que j'ai tenu le temps. Okay. Ouais. Merci. Vous avez mentionné tout au début de votre exposé la présence d'un hôtel à Phémé, à la rumeur, dans la Grèce archaïque. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur... Alors, Athènes se distingue des autres cités grecques parce que c'est une des seules à avoir érigé un hôtel au cœur de sa cité, sur l'Agora, à Phémé. En réalité, ils le font après 468-466 avant Jésus-Christ, en fait. Il remercie Phémé de l'avoir annoncé très rapidement la nouvelle d'une victoire qu'ils avaient remportée contre les Perses. Et en fait, c'est la raison pour laquelle, d'après Pausanias, ils ont érigé un hôtel à Phémé. Mais ça compte aussi, parce qu'il n'y a pas que cette histoire de victoire, c'est que vraiment la société athénienne, là pour le coup, les autres sociétés grecques, elles se construisent d'abord dans un rapport de l'oralité. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est vraiment la discussion en commun qui permet de déterminer qui est qui permet aussi de souder la cohésion civique. C'est-à-dire que la rumeur, elle permet de distinguer les bons citoyens des mauvais. Et ainsi, vous savez, de délimiter ce que doit être le citoyen. Donc placer la rumeur au cœur de l'agora, à mon avis, c'est absolument essentiel pour la cité athénienne. Je ne sais pas si j'ai répondu comme vous vouliez. Merci. En même temps, vu que la rumeur est définie comme un discours sans auteur, du coup, si c'est dans le discours qu'on détermine qui est qui, ça pose problème d'installer un hôtel à un type de discours qui, lui, justement, ne fait pas forcément la part des choses. C'est vrai, mais c'est compliqué. Non, mais c'est bien sûr, c'est vrai. Vous avez raison, complètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Merci pour votre exposé. Et vous avez mentionné, je pense, dans votre deuxième point, qu'au fond, et ça rejoint peut-être la question de Julien Bonhomme, c'est qu'on n'opposait jamais, au fond, un discours de vérité à une rumeur, mais qu'on opposait une rumeur à une rumeur. C'est vrai. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur ce point, parce que je trouve ça très intéressant, au fond, parce qu'au fond, on a juste une rumeur à opposer à une rumeur, c'est-à-dire, à des types de discours qui sont homogènes, qui peuvent s'opposer les uns aux autres. Vous avez des rumeurs plus ou moins légitimes en fonction de la personne qui la lance, en réalité. C'est-à-dire que c'est la hiérarchie des colporteurs de rumeurs que j'ai essayé de vous donner tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez ceux qui sont habilités à dire la rumeur, qui sont écoutés, qui séduisent. C'est par exemple les Aèdes. Là, le chant d'Iliade et l'Odyssée, c'est pratiquement qu'une grande rumeur. D'ailleurs, même l'œuvre d'Hérodote n'est pratiquement qu'une rumeur. C'est-à-dire que c'est difficile de distinguer chez les Grecs ce qu'est la rumeur. Ça peut être à la fois pas grand-chose et absolument tout. D'accord ? Et effectivement, dans ces conditions, vous n'avez pas de scientifique qui arrive en disant « moi, j'ai le vrai » et ça, c'est une fausse rumeur. C'est-à-dire que c'est vraiment qu'une question d'autorité et de discours oral en disant « il y en a qui croient plus que d'autres parce que moi, je suis inspiré par les dieux, moi, j'ai été plus courageux au combat, moi, je suis roi et donc je suis, à ce titre-là, digne d'être plus cru que la femme qui, elle, est supposée ne rien comprendre. » Ça rend le discours platonicien complètement inutile, c'est-à-dire que la position platonicienne ici n'a pas de sens au fond. Ou alors, sauf si, d'une certaine manière, Platon joue au jeu lui-même de la rumeur en pensant qu'au fond le philosophe est le plus apte Je pense que oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que oui, c'est ça. Ouais. Lui, il est plus habilité que les autres parce qu'il est plus sage. Et c'est d'ailleurs c'est de la rumeur la aussi. Raison pour laquelle il est plus à même que les sophistes d'utiliser le vraisemblable. Ouais. Que le vraisemblable, le sage, peut utiliser le vraisemblable parce que lui connaît la vérité. Et en utilisant le vraisemblable, il peut conduire son public, qui ne connaît pas grand-chose, à la vérité parce que vous avez une forme de rapport, comme ça, de lien entre le faux
le vraisemblable et le vrai. Et le sage qui maîtrise les trois, finalement, est capable de tirer son public vers le vrai. Enfin, c'est comme c'est ça intéressant. Que... Merci. Et juste, Florence, juste derrière. Bonjour, c'était pour encore rebondir sur la question précédente. Si la légitimité de la rumeur dépend de la légitimité de la personne qui la lance, et comment se fait-il que la rumeur est considérée comme étant dépersonnalisée par opposition à la calomnie? Comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux? Bah, c'est très juste. C'est très compliqué, en fait. C'est que je ne sais pas trop quoi vous répondre. C'est-à-dire que vous avez... C'est-à-dire que je pense que quand la haine proclame ses chants, c'est pas tant lui qui proclame que une personne qui dit le discours des dieux, si vous voulez, et qui finalement se fait médiateur d'un discours qui ne lui appartient pas directement. Je ne sais pas si j'ai répondu comme vous voulez, mais c'est une vraie, c'est très compliqué, c'est vrai, vous avez raison. Après, vous avez des auteurs qui, comme Hérodote et Thucydide, eh bien, vous considérez que la rumeur est critiquable aussi. Hein. C'est-à-dire, ça dépend des périodes, c'est-à-dire qu'à l'époque archaïque, je pense qu'on met moins en cause ou en doute l'autorité des maîtres de vérité, qui finalement disent ce que pensent les dieux, ce que savent les dieux, plutôt qu'à l'époque du 5e siècle, où on commence à avoir un regard plus critique. Mais même là, on a vu que c'était compliqué, parce que vous aviez par exemple Isocrate, par exemple, éventuellement même Aristote, qui considérait que la rumeur pouvait être une première étape sur la construction du chemin de la vérité. Merci. Oui, Manuel, ça va. Attendez le micro. Merci. Non, c'est juste pour une demande de précision, parce que vous avez dit à un moment qu'il y avait une dizaine de termes à peu près, oui. Bon, que du coup on traduisait avec rumeur. Quelles sont les nuances que permettent ces dizaines de termes? Est-ce que c'est justement en termes de gradation dans le vraisemblable? Enfin, qu'est-ce qu'ils apportent? Pas en fait trop en termes de gradation dans le vraisemblable. En fait, vous avez d'abord les termes poétiques et les termes de la prose. Les termes poétiques, c'est Cléos, c'est Baxis, c'est Clédon. Et les termes de la prose, ça serait plutôt Phémé, qui va s'imposer en fait, à partir du 5e siècle et surtout à partir du 4e, 3e siècle après Jésus, avant Jésus-Christ, dans ce qu'on appelle la koiné linguistique grecque. En fait, vous avez plusieurs registres de discours. Voilà. Mais la... quelle est la différence entre vraiment Cléos et Phémé? Ça mérite une thèse. Giovanni? Can I ask you there in French or in English? Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Et j'étais frappé aussi par le fait de l'utilisation positive de la rumeur par les Grecs. Et en revenant à l'actualité, j'ai pensé, est-ce que vous pensez que notre version de la vérité soit trop étroite? Et c'est pour ça que nous avons quelques problèmes avec les infox. Voilà, je préfère laisser les philosophes répondre à cette question. Hein. Ça, c'est vraiment une question très dure. Non, je ne vais pas répondre, sincèrement, j'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que, de façon surprenante, dans les textes grecs, il y a étonnamment beaucoup de rumeurs positives. C'est-à-dire que les rumeurs négatives, les ragots, tout ça, en fait, on n'en trouve pas beaucoup. Tout bêtement parce qu'en réalité, c'est des œuvres littéraires et que, à mon avis, l'utilisation des rumeurs, elle est d'abord intellectuelle. Et finalement, les petits ragots qui couraient, tout ça, ça n'intéressait pas finalement, ou assez peu Hérodote, Pisistrate, enfin Hérodote, Thucydide, etc. Bon, je n'ai pas répondu à votre question, j'en ai bien conscience, mais c'était compliqué. Je vais me permettre de me glisser là-dedans puis d'en poser une intermédiaire, même si elle vous conduit sans doute à sortir un petit peu de la période que vous avez décrite. Le régime que vous avez décrit, et dans toute sa complexité, est-ce que vous pensez qu'il y a un moment qui a fait qu'on en est sorti par la référence, vous avez bien décrit, la référence à la ruse problématique
d'Ulysse, le courage, etc., des guerriers. Est-ce que ce type de matrice, de logique du palimpseste, de transformation de ce récit, est-ce qu'il y a un moment où on en est sorti ou sinon, est-ce qu'il faudrait reprendre aujourd'hui à quelle échelle temporelle vous parlez? À l'échelle temporelle, depuis l'Antiquité, est-ce que vous voyez des grandes ruptures jusqu'à c'est un peu un travail forcément à grandes enjambées, mais qui peut être intéressant quand même dans le cadre des comparaisons qu'on a. Aujourd'hui, vous avez encore des trames, comme ça, des modèles de rumeurs. C'est-à-dire qu'on pense à la rumeur d'Edgar Morin sur la rumeur d'Orléans, par exemple. C'est toujours un peu le même type de rumeur. Et vous en avez une très récente qui a couru dans les banlieues et même à Paris, là, sur la rumeur des enfants kidnappés par les gens du voyage. C'est des rumeurs qui sont héritées dans leur structure eh bien, de l'époque au moins médiévale, où finalement les marginaux vont prendre les enfants, ou même avec les juifs. On disait que les juifs, à l'époque médiévale, prenaient les enfants pour faire du pain azim. C'est un peu le même genre de choses. C'est-à-dire qu'on a de très longues comme ça, vous avez des structures thématiques qui reviennent régulièrement. Après, qui peuvent s'adapter ponctuellement pour traiter telle ou telle spécificité de l'actualité, mais je pense que vous avez des trames générales sur la très longue durée, en fait, millénaire. Bon. S'il n'y a plus de questions, et on pourra revenir, puisqu'on aura une table ronde tout à l'heure avec nos trois intervenants, mais ça peut être aussi l'occasion d'un échange ou d'un débriefing sur la journée. Donc il nous reste à remercier Francis Laran pour cette belle ouverture. Merci.